Épisode 1, destination logo. À quoi sert l'étiquetage nutritionnel présent sur l'emballage des produits alimentaires que nous consommons? Il fait partie de la panoplie d'actions mises en place par les pouvoirs publics pour modifier les comportements alimentaires et remédier aux problèmes de santé liés à l'alimentation, comme le diabète ou l'obésité. Parmi ces mesures, on trouve des campagnes de promotion de la consommation de fruits et légumes, l'engagement des industries agroalimentaires pour améliorer la qualité de leurs produits, ou encore la taxation de produits gras et sucrés. Depuis décembre 2014 et l'entrée en application du règlement INCO pour information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l'étiquetage nutritionnel est devenu obligatoire et uniforme dans toute l'Union européenne. Les entreprises doivent donc fournir, généralement dans un tableau placé au dos de chaque produit alimentaire emballé, les informations suivantes. La valeur énergétique, qui est la quantité d'énergie apportée par le produit. La quantité de matière grasse, c'est-à-dire les lipides qui sont composés d'acides gras saturés et insaturés. La quantité d'acides gras saturés doit être spécifiée car selon les recommandations nutritionnelles, ils sont à limiter. La quantité de glucides, communément appelé sucre, qui se compose de sucre simple et de sucre complexe. Ce sont les quantités de sucre simple qui doivent aussi apparaître sur les étiquetages. Et pour finir, la quantité de protéines et de sel. Ces déclarations nutritionnelles sont exprimées pour 100 g ou 100 ml de produits. Quels sont les effets de cet étiquetage? Dans un contexte où le consommateur s'interroge de plus en plus sur son alimentation, l'étiquetage répond à une attente de transparence, d'information, et le pousse à porter plus d'attention à la composition nutritionnelle des produits. Au-delà de ces objectifs, quels sont leurs impacts sur les comportements alimentaires? Les études conduites dans les pays qui utilisent depuis plusieurs années cet étiquetage semblent montrer que les effets sont modestes pour différentes raisons. Tout d'abord, l'interprétation du tableau nutritionnel n'est pas toujours simple et demande un certain niveau de connaissance en nutrition. D'autre part, son utilisation suppose un intérêt pour les questions de santé. Or, de nombreux consommateurs font avant tout leurs choix alimentaires sur la base de critères de goût, de prix, de praticité, et assez peu en fonction de l'impact à long terme des produits sur leur santé. Au final, l'étiquetage nutritionnel est davantage utilisé par les femmes, en général plus attentives à ce qu'elles mangent, par des personnes plus favorisées socialement ou encore par des personnes confrontées directement ou indirectement à des problèmes médicaux. A l'inverse, les personnes plus défavorisées utilisent moins ces informations, bien qu'elles soient le plus souvent touchées par des maladies liées à une mauvaise alimentation.